Ibrahim Haroufi, tout d'abord, un petit mot sur ce fameux coup franc qui est botté en pleine lucarne. Quel est le secret d'un tir comme celui-là? En fait, je sais pas, ça s'entraîne, c'est pas vraiment un secret. C'est que, voilà, même dans mon temps libre, quand j'ai le temps libre, à part les entraînements, je m'entraîne pas spécialement sur les coups francs, mais sur les frappes, pied gauche, pied droit. Et je pense qu'à force de frapper, tous les jours, le samedi ou le dimanche, ça récompense. Ok. Alors évidemment, un match nul, on reste un peu sur sa fin. Qu'est-ce qui a manqué hier à l'Union pour pouvoir revendiquer la victoire? Je pense déjà un peu plus de rage en première mi-temps. Parce que, voilà, en première mi-temps, on a laissé trop d'espace à Sine. Et c'est de là où le goal vient aussi, parce que on est mal placé. Il y a le coup franc que je botte. Et puis après, juste après, il y a la contre-attaque. Et on se retrouve à 4 contre 1 ou 4 contre 2. C'est des choses qui ne peuvent pas se passer. Bon, c'est des erreurs à travailler. Et bien, il faut espérer maintenant qu'on ne fasse plus ces erreurs au prochain match. Ok, est-ce qu'on a eu un petit peu le sentiment aussi qu'on a joué avec la peur de perdre? C'était pas une peur de perdre. À mon avis, c'était plus une... À ce que je vois à mes yeux, que quelques-uns étaient peut-être un peu trop sûrs de gagner, je pense. On a commencé un peu... En fait, on était bien dans les duels, mais on a commencé un peu à... Quand on courait, ça se voyait, on se donnait pas trop à 100%. Et c'était... En fait, quand on commence les matchs, que ce soit contre le dernier ou contre le premier, en fait, pour moi, je pense que les matchs contre les premiers seront les plus faciles. Quand je parle de plus facile, ça joue plus au football. Donc, quand on joue contre un concurrent direct, je pense que dès la première minute, c'est dans les duels. Si tu gagnes le duel, tu te sens bien dans le match, et c'est là que tout devrait aller. Ok, à vous entendre, le match de dimanche prochain à Bocholt serait donc plus abordable que celui de dimanche dernier contre Siné. Je ne veux pas parler à l'avance, parce que j'ai vu le match contre Bocholt ici. C'était 1-0 pour Bocholt, je pense. C'était un match où l'Union pouvait gagner. Mais après, je ne veux pas parler à l'avance. Ça va être un match difficile comme tous les autres. Mais dans ce que je veux dire, c'est juste que voilà, Bocholt joue plus au foot. Il y aurait un peu plus d'espace, je pense. Et c'est à nous de jouer au foot, parce qu'on a les qualités pour ça. Et chacun doit faire son boulot selon ses qualités. Ok, alors dernière question. Vous avez ramassé un fameux coup au mollet. C'est arrivé, je pense, juste avant le deuxième coup franc. Est-ce que vous serez d'attaque pour dimanche? Ben là, je suis venu à l'entraînement pour ça. Je vais voir le kiné là tout de suite. Puis on verra. Normalement, je serai là. Normalement, d'ici mercredi, je pourrai m'entraîner à 100%. Et bon, moi-même, j'espère être là dimanche pour espérer fêter la victoire. Eh bien, croisons les doigts.